En septembre, il y avait l'excitation de la rentrée. En octobre, il y avait un peu la vibe spooky d'Halloween. Puis en décembre, il y aura un peu l'ambiance féerique de Noël. Et après, en novembre, il y a quoi en fait ? Le November Nervous Breakdown. 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 C'est quoi ? Ah tu sais, en novembre, il fait nuit tôt, il fait froid, tout le monde a trop de travail, les partiels qui approchent, c'est horrible, tout le monde est en dépression. Ah ouais ? Tu penses ? Bah vas-y, on va aller demander aux gens. Bon, est-ce que vous aussi, vous êtes en November Nervous Breakdown ? Oui, totalement. Trop. Actuellement, on a contrôle d'IP dans 2 heures. On connaît rien, donc oui, ça craint. Ouais. Honnêtement, c'est vrai que c'est un mois qui est assez chargé. Ouais, mais je suis dans un autre cursus, du coup, je suis en mental breakdown, mais ailleurs, en fait. This is Elon Musk. Ça va encore ? Moi, ça va. Je garde le sourire. Ouais, carrément. Non, ça va pour moi. Un peu, le mental breakdown est à l'approche. Les partiels et le wake qui arrive aussi. Pas du tout, moi je vis dans le déni, donc voilà. Moi pas du tout, au contraire, ça va beaucoup mieux qu'avant. Donc, okay. Oui. Oui, totalement, oui. Entre les papers et tout, oui. Non, ça va, on survit. Non, on l'a déjà raté. Bon, est-ce que vous arriverez à dire genre 5 fois de suite November Nervous Breakdown ? November Nervous Breakdown, November Nervous Breakdown, November... C'est hyper chiant ce que vous demandez. Je suis en November Nervous Breakdown. November Nervous Breakdown. November Nervous Breakdown. November Nervous Breakdown. Ah, on a un peu une fille bilingue à la table, c'est ok, non? November Nervous Breakdown. 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 November. Attends, quoi? November Nervous Breakdown. November Nervous Breakdown. Mais pourquoi faut dire ça plusieurs fois? Et du coup, toi, c'est quand ta prochaine échéance là? J'en ai tout le temps. J'en ai là dans. Tout à l'heure, j'ai une dictée en chinois. C'est pas rendre, mais c'est horrible. Lundi. T'as commencé? Non. Moi, j'ai. Enfin, on a exposé l'histoire lundi. Ouais. On est ensemble en plus. On est ensemble. Vous avez commencé? Non. Vous allez commencer quand? Demain. Demain. Demain ou dimanche soir. D'accord. Une interrogation d'histoire demain. T'as bien avancé ou pas? Je finis une fiche de révision là. Enfin, la dernière fiche de révision et après je les relis. C'est bon. Demain. 8 heures. Tous? Ouais. Ouais, c'est bon, vous avez bien avancé, vous êtes prêts? Non. Demain, j'ai un DS, enfin un DS, c'est trop un mot du lycée. J'ai un examen d'économie sur plein de choses et je suis pas très prête. Dans une heure là. Ouais, dans une heure. On a un débat en éco. Ouais. Et vous avez avancé, vous êtes prêts? Ouais, on est prêts, on est chaud là. Chinois, on a une dictée de chinois là tout à l'heure à 19h. Ça va, vous êtes prête ou pas? C'est dur, les caractères c'est dur. C'est chaud. Et du coup là, enfin avec entre la pression, les cours et tout, là si vous deviez un peu noter votre vie maintenant là sur 10, vous donnerez combien? Là à l'instant T, 2, parce qu'on a un café et des cookies du coup. Oula, ah oui, ok, ça va? Ok, et toi? Franchement, moi je mets moins 1 parce que je passe à l'oral en plus du contrôle. Aujourd'hui? Ah oui, bah oui, bah là. 5. 6, 7 quand même, attends, ça va. Waouh, ok, bon bah top. Soyons honnêtes, on est sur un petit 5. Moi ça va, 8. 8? Ouais, franchement. 5 pareil. Bah 7, on va rentrer dans les périodes de Noël du coup. Bah déjà je me sens un peu nulle parce que genre Mathilde elle va aller à la cache là. Elle arrête pas de m'en parler, moi je peux pas y aller parce que j'ai trop de devoirs. Du coup là actuellement je dirais que j'ai... Allez 5 sur 10 quand même. Ah, ok, ça va. Bah, moi pour l'instant ça va, mais après ma dictée en chinois du coup je ramène tout à ça, mais on passerait peut-être à 3 parce que je vais rater un truc, c'est horrible. Moins 7. non je rigole, en vrai un 6 sur 10, ça va. Un 8 sur 10. 7. 1 pour la participation. It is so bad, I want to give you a 0, but that's not possible, so I give you
a one. Parce que du coup là vous vous amusez bien, enfin c'est cool ce que vous faites. Ouais. ça a l'air. Ah, je croyais qu'on était là pour filmer la minute chef. Qu'est-ce que tu fais? J'ai besoin d'un café, arrête là. Si une de vous arrive à nous dire November Nervous Breakdown en 4 langues différentes, vous gagnez ce magnifique petit café au lait. Niveau sucre 2. Breakdown, ouais, en anglais. Le novembre, la dépression de novembre, ça fait 2. Dis-le en italien, meuf. Attends. Novembre. Dépression de novembre. Et c'est quoi la fin? Nerveuse. Dépression nerviosa de novembre. Ok, ça fait en allemand. Angestrengt novembre. Bah vous savez quoi, en vrai à vous trois vous avez quatre, donc vous pouvez vous partager le café hein. Est-ce que t'es un November Nervous Breakdown maintenant là? Totalement, oui. Quoi il a là, yes. Non. Ah non. Ah ouais, non, tout va bien dans ta vie là. Ah ouais. Mais tout. C'est un peu dur, mais là non, ça va. Yes. Oh, Nervous Breakdown, non. En vrai, de vrai, ça... Non, pas spécialement, genre. T'es en train de taffer sur quoi, là? Sur un mini-mémoire, sur Arte. Et c'est à rendre pour quand? La semaine prochaine. Ça va. Je viens de commencer, littéralement. Donc, c'est un délire, mais... I am studying for my first final exam for Monday. Do you feel prepared? No, I just started studying it now. You just started now, ok. Sur l'arabe. Ça va, c'est... Ouais, là, je vais travailler sur le travail. La semaine prochaine, retour sur controverse et discours politique. Et t'as commencé? Non. Je travaille pour un examen que j'ai, une présentation que j'ai demain. Donc, ça va, t'es à jour, genre, tu vas y arriver ou t'as encore du taf? Il faut toujours persévérer. C'est la mort. On est tous en train, genre, vraiment, bien sûr, il y a un burn-out. Mais il faut prendre du temps pour soi, avoir du recul. Donc ça va, on essaye, on persévère pour rester avec une mentalité positive. Parce que si on fait pas ça, on meurt. Waouh, merci beaucoup. C'est du coup là, si tu veux genre noter ta vie sur 10, maintenant tu donnerais quoi? Franchement, un petit 9 sur 10. Parce que franchement, c'est quand même cool. C'est intéressant. Voilà. Mais je te dirai pas la même chose la semaine prochaine. Right now. Maybe a 5. Moins 5. Ah ouais, c'est bon. 11. Putain, mais explique-nous comment tu fais. Bah parce que j'habite avec ma copine depuis 2 mois et que ça aide à passer le nervous breakdown. Je vais aller pleurer mon célibat dans les toilettes. Mais du coup, toi et meuf, c'est bien beau de demander à tout le monde, mais toi, t'es en November Nervous Breakdown ou pas? Bah, moi, écoute, en vrai, faut que je t'avoue, ça va pas trop pour moi en ce moment. Ah ouais, tu veux en parler? Qu'est-ce qu'il y a? Franchement, je suis en November Nervous Breakdown.